on a rassemblé cinq pièces de courteline qui sont des pièces courtes, voire pour l'une d'entre elles courtissime. Il y en a une qui dure 5 minutes, et puis sinon, c'est des pièces en un acte, donc qui durent entre 20 et 30 minutes chacune, ce qui est la manière d'écrire de Courteline. En fait, Courteline n'a jamais écrit comme l'ont fait Labiche ou Feydeau ou les grands comiques de l'époque, n'a jamais écrit des grandes mécaniques, des grandes pièces comiques. Il disait toujours, un acte, c'est ma mesure. On resserre tout, avec l'idée qu'on est presque comme dans un castelet de marionnettes, et où l'espace est vraiment millimétré. Effectivement, il n'y a pas de perspective, sauf peut-être à un certain moment dans le spectacle, mais on est dans quelque chose de très serré, où les acteurs sont presque plus grands que le décor. J'ai choisi ces pièces qui montre un Courteline qui n'est pas un Courteline très connu ou qui ne correspond pas forcément à l'image que les gens en ont, c'est-à-dire d'un comique qui s'occupe des soldats ou qui s'occupe des petits fonctionnaires ou qui s'occupe de la vie conjugale. Les cinq petites pièces sont des pièces où Courteline va plus, tout en restant vraiment dans le comique, du côté du fantastique, d'un étrange, de quelque chose qui a sans doute à voir avec le grand guignol dans lequel il travaillait, qui a à voir avec son talent de chroniqueur à la recherche de choses qui sont des choses incongrues, décalées, déplacées. Monsieur et Madame Boulingrin sont de fort aimables personnes. Oui, je vous crois. Oh, gens simples, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de plus. Un peu cocotte? Un peu beaucoup. Oh, très bien. Ménage des unis ou surplus? Unis? Unis? Mais c'est au point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, toujours du même avis. De tourtereau, monsieur, de ramier. Allons, je constate que mon flair aura fait des siennes une fois de plus. Salut, demeure calme et tranquille. Goûtez. Et tu seras ici, je te le répète, ni plus ni moins que dans un bain de sirop de sucre. Qu'est-ce que c'est que ça encore? De la borora. Écoutez donc, vous dis-je. Mais enfin, ça va vous ficher la colique. Non, mais je me rapporte à vous. Non, goûtez ça. Jamais. Je vous promets. C'est à chaque fois une situation, souvent des situations très simples, tirées de la vie quotidienne. Ça, c'est le côté naturaliste de Courteline. Et dans ces situations, il précipite ses personnages et il y a quelque chose qui vrille et qui devient dingue, fou, et donc qui est la matrice du comique. Il y a une chose qui est très forte chez Courteline, c'est l'écriture, la langue, qui fait qu'il y a une unité ouais, d'écriture très forte, qui fait qu'on est dans un univers qui, d'une pièce à l'autre, à travers à la fois les mots, les formulations, un certain type de, une certaine saveur de la langue, il y a quelque chose qui se crée d'une pièce à l'autre. Je suis le bon ami de votre cuisinière. C'est moi qui l'aide à laisser brûler le rôti en lui faisant l'amour quand vous êtes sorti. Et puis il y a des choses qui reviennent, par exemple les allumettes du début, le feu, espèce de truc, le feu qui jusqu'à la fin est un élément de plus en plus important. Il y a un rapport au temps, dans quel temps ça se passe, on part de la nuit, on arrive dans un temps qui est un temps plus bizarre, etc. Donc il y a des espèces de fils souterrains qui sont soit dans les textes, soit portés par les comédiens qui, d'une pièce à l'autre aussi, à travers les jeux de costumes, à travers plein de choses, créent du lien, créent des liens au fond ou les révèlent. Tout ça, en fait, révèle et reflète une vision extrêmement noire de la société, de l'humain. Courteline, c'est quelqu'un qui fait rire tout le temps en étant d'un pessimisme absolu, d'un scepticisme absolu. Et c'est la tension entre les deux aussi qui rend ces pièces aujourd'hui très, je trouve, très touchantes en fait. Et quoi? Vous dérobez à mon embrassement? Cet excès de froideur me peine énormément! Ah! Je ne donnerai pas 5 sous de ma peau. Et rappelez-vous! Mais je suis Luc! Cocher de l'urbaine! Mais c'est moi qui l'autre jour! Il va chercher à chaque fois
avec un coup de plume absolument extraordinaire, il va chercher l'endroit où ça fait mal, l'endroit où ça grince. Aujourd'hui, je pense, touché par des situations qui sont assez loin de nous, qui sont vraiment minimalistes, etc. Mais parce que c'est l'humain qui est fouillé à travers tout ça. Vraiment un goût du vivant, de l'anecdote, de la chose presque de chroniqueur, de la situation très, très, un sens de la description très fin, et en même temps, cette idée d'une mécanique portée à la fois par les personnages et par les situations, et c'est de la rencontre entre les deux que naît le comique. Non, non, tu vas, me calme. Madame a raison. Oui, présent. Mais. Raison. Ah, ça, monsieur Desriguettes, vous voulez donc que je vous extermine? Merci, monsieur. Je vous prie même de ne rien faire.